basketball. Alors, vous lisez ici, on joue le basketball tous les lundis, les mercredis, puis le vendredi. D'abord, on n'a pas intérêt au basket. On part au lycée des Guayas pour faire le basket. Et puis, on rencontre souvent des difficultés là-bas parce qu'on ne se comprend pas avec les joueurs du lycée. Des fois, ils viennent pour perturber en pleine leçon du basket. Des fois, ils viennent pour prendre notre panneau et puis on joue sur demi-terrain. Et puis, c'est compliqué. Au début, on avait eu des difficultés parce que notre. Il y avait des gens qui savaient un peu jouer, un peu faire la passe, mais il y avait des gens qui ne savaient pas du tout. Les coachs nous ont mélangé comme ça, et puis on voit que c'est vraiment fatigant. Donc, le coach a décidé de nous scinder en deux groupes, les aînés et les cadets. Les gens qui ne comprennent pas bien le basket, ils les appellent à faire la passe, et nous, qui en connaissant un peu, nous ont appris à faire notre. Les dribbles et on a joué en équipe. Après chaque match, on joue en équipe. Et puis il y a les difficultés du ballon également. Le ballon n'est pas suffisant en plus parce que vous jouez, parce que qui même a un ballon pour s'exercer. Et puis quand la balle est trois, le coach attrape, et puis le milieu de fonction, on fait la passe, mais c'est pas rapide. Et si ça va à l'aise dans le jeu. Et je suppose à l'autre coach. Lui, il enseigne bien. Et il a des difficultés. Lui aussi, pour dribbler, il a des difficultés. C'est comme si il a un problème ici. Et il dribble tout le monde, la passe échappe. Et puis il nous complique également. Il nous enseigne bien. Il nous donne des finitions. Des fois, on fait des mauvaises passes. Il vient en pompe. 1 à 10. Et après, lorsqu'on fait nos entraînements, on fait des étirements. Après les étirements, on fait un jeu de tout terrain. Et puis après, on se soit, on se donne des nouvelles. Et puis on voit est-ce qu'on a bien fait ce truc-là. Et les autres passes, on remarque. Chaque joueur a ses remarques. Toi, tu ne fais pas la passe, toi, il faut changer ça, il faut faire ça. Ils nous disent. Et après, on prend le droit des participants pour nous mélanger en attendant même un peu de difficulté parce que le bus, des fois on n'a pas le bus, des fois un jour on est laissé jusqu'à 21h sans rentrer. Le bus n'est pas venu nous chercher et des fois le bus vient chercher le voilà.